Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve pour l'épisode 5 de Life is Strange True Colors. Donc on s'était arrêté juste avant d'aller dans la boutique de fleurs pour voir Mac. Et c'est parti, on y va. Alors la petite boutique de fleurs, moi il me semblait qu'elle était de l'autre côté. Je n'y comprends rien. Est-ce que les gens n'aiment plus les glaces? J'ai regardé notre budget. Si on n'ouvre que 3 jours par semaine, on pourra s'en sortir. Et c'est tout? S'en sortir? On va passer toute notre vie à faire ça? Juste là... C'est bon, ça va aller. On fait quand même des bénéfices sur la pêche pirate, ne l'oublie pas. D'accord, tu avais raison pour la pêche pirate. Et c'est parti. Eleanor. Eleanor? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu? Oh. Ça va. Eh ben, ça va, je crois. Je prends simplement les choses comme elles viennent. C'est la meilleure façon de vivre. Est-ce que Mac est là? Oh, il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Ouh là là. Elle a l'air terrorisée. Je peux pas la laisser comme ça. Est-ce qu'elle nous ferait pas un petit Alzheimer, Eleanor? On va t'aider. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a peur. Tous mes souvenirs s'effacent. Je me sens brisée. D'accord. Il n'y a rien par là. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi, mais tout devient déjà si désordonné. Fais le tour, on sait jamais, comme d'habitude. S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer le magasin. Peut-être qu'on peut ouvrir quand même une porte, hein. Ah oui, une porte ouverte. Ah bah voilà. Photo. Si Riley l'apprend, elle ne doit rien savoir. Ah,
Merci, ma chérie. Je m'y mets immédiatement. Tu me déposeras le chèque quand tu auras une minute. Oh putain. Oula. Elle a pas seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de tout oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Bonne question. Il y a rien là. Moi, je pense qu'il faudrait en parler à Riley quand même. Ça peut être dangereux, quoi. Vous avez oublié ce que vous faisiez ? Disons que j'ai un petit trou de mémoire. Bah, je peux peut-être vous aider. Revenez sur vos pas. Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas ? Oh, je ne voudrais pas te retarder. Écoutez, je veux vous aider. Bon, par quoi Eleanor aurait commencé ? Ben, peut-être par ouvrir la boutique. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier. J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Elle a certainement dû être... je pense, distraite par... le téléphone, je pense. Est-ce que vous avez été distraite par un appel ? Oui. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler ? Post-it, non ? Il n'y a pas un post-it quelque part qui pourrait l'aider ? Ou alors c'est Riley ? Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley ? Oh, je crois que c'est ça. Elle a appelé pour me parler d'une nouvelle commande. Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'était ? Ça devait être ce qu'elle devait être en train de faire, non ? Ça, on n'a pas accès. Vous étiez là-bas quand je suis entrée. Vous étiez peut-être en train de compter la caisse ? J'aurais fait ça hier soir. D'accord. Commande express. Ça doit être celle que Riley est venue apporter. Réglée par chèque. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys.
Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Là, on va aller dans la caisse. Ah, je peux plus. Ah, si. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non? Ça pourrait nous dire qui l'a acheté. Ça devrait. Monsieur Jedediah Lucan. Jed? Près des lys, généralement. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tu sais, Alex, tu es un cadeau du ciel. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. Ben c'est oui. Plutôt pour les enterrements. C'est ça. Mon Dieu. Elle a oublié. Non, on va pas lui rappeler. Hein. Vous connaissez Jed? Il sait probablement pas faire la différence entre un lys et une tulipe. Ne le sous-estime pas. Il est plus malin qu'il en a l'air. On va pas lui rappeler ça quand même. Bon. Merci encore de m'avoir aidé. Passe quand tu veux. Oui. Je ne manquerai pas. Elle commençait enfin à se sentir mieux. J'ai pas voulu tout gâcher. On va peut-être retrouver Mac maintenant. Oh mon Dieu, il se multiplie. Les grandes choses ont de petits commencements. J'adore du genre. Sa boutique. Je la trouve trop belle. Il a toujours un look incroyable. Tu disais? Oh, rien. Je repensais à un truc drôle que Gabe m'avait dit. Ce gars... Je devrais prendre un chien de soutien émotionnel. Enfin, pour les autres. Ah, courrier. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Hôpital Purple Mountain. Aïe, aïe, aïe. Les choses devaient être différentes à l'époque. Tu m'étonnes. Je vais quand même aller voir dans l'autre pièce. Affiche. J'ai déjà vécu dans des endroits plus moches. Oh, c'est clair. Bon, c'est officiel. Riley déchire. On va revérifier dedans. Ouh, il y a plein de trucs. Elles ont l'air de bien s'entendre. Je n'y serais pas arrivée sans toi, Nanou, Riley. Orchidées. Les gens veulent tous des orchidées, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de tout l'entretien qu'ils exigent. Un peu comme les enfants. Je comprends pourquoi, mais c'est dingue que Riley soit pas au courant. Ouais, c'est quand même assez étrange. Bon, allez, on y va. On va aller voir notre cher Mac. «
Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont. Alors, téléphone. Quelqu'un aurait des conseils pour apprivoiser un chat sauvage. J'ai trouvé cette adorable boule de poil dans mes poubelles. Mais il est tout excité. Steph. Je me demande sur quoi Steph travaille. Ça a l'air cool. Je devrais lui envoyer un message privé pour en savoir plus et voir comment je peux l'aider. Ok. Ok, d'accord, je t'envoie un message privé. Je sais pas ce que ça va être, mais ça va les choquer. Chut. Ah. Nous sommes ravis de vous annoncer que notre communauté comptera bientôt un nouveau visage. Souhaitez la bienvenue à Jack Stevens, qui reprendra le restaurant situé à côté du parc. Oh, ravis de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Il n'y a rien de bien nouveau. Charlotte. Mais ça, on l'avait déjà vu. Steph. Mais ça aussi, on l'avait déjà vu. Chercher Marc près du magasin de fleurs. Ouais. J'aimerais bien le trouver, ce petit. Je ne dirai pas la suite. Ah, Eleanor. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui, Alex. Tu es un ange. C'était avec plaisir. Je suis contente de vous avoir aidé. Vous vous sentez mieux ? Oui, beaucoup mieux. Merci. Elle est adorable. Alors, es-tu là ? Sur le pont. Ah ! Tu es donc là. Parlez. Putain, je suis foutu. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Parlez. Mac. Alex ? Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi ? Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf ? Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus ? Je sais que tu mens. Je comprends que tu aies peur. On va essayer de rentrer dans son jeu. Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et t'as la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Il me suffirait juste de le pousser à bout. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Non, non, je suis prête. Allez, c'est parti. Ton ex-copine m'a parlé du projet que tu as de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi ? C'est pas... J'ai rien fait. Putain, mais dégage ! Fous-moi la paix ! Ouh là là. Thank you.
parano. Ah, ok. Merde, je m'occuperai de Mac quand je le trouverai. En attendant, il faut que j'en apprenne le plus possible. Yes. Il n'y a rien d'autre là-bas. Typhon surveille toujours tout. Il contrôle toute la ville. Mac a l'impression que tout le monde est en train de le regarder. Tout le monde croit que je l'ai tué. Ils me détestent tous. C'est un rapport avec Typhon, hein, c'est sûr. C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. J'aurais préféré que ce soit toi. Oula. Alex ? Comment me regarder à la veillée? Tout le monde pense que je l'ai laissé crever. Je sais pourquoi tu mens. Typhon fait pression sur toi. C'est Typhon qui te force à démentir l'appel. Quoi? Mais bordel! Ne trinque pas pour eux. Je sais que t'as essayé de les arrêter. C'est eux qui ont merdé, pas toi. Arrête de mentir pour eux. T'as pas compris. C'était pas un accident. Je leur ai dit que vous étiez là-bas. Et ils ont tout fait sauter quand même. Ils ont fait exprès? Pourquoi? J'en sais rien. Je te jure. Ensuite, j'ai eu un message me disant de dire que j'avais jamais reçu l'appel. Faut que tu me crois. Gabe et moi, on s'entendait pas, c'est vrai, mais je voulais pas sa mort. Et maintenant, Typhon me surveille. Ma meuf, elle me prend pour un assassin. Et tous mes voisins me détestent. Qu'est-ce que je fais, moi, bordel? Je crois que je peux le calmer. Mais est-ce qu'il le mérite? Calmez Mac, on va le calmer quand même. Allez, Mac. C'est bon, il faut que tu te calmes, ok? Respire. Reste avec moi. Je sais ce que ça fait, quand personne nous croit. Quand tout le monde pense... que t'es ce qu'il y a de pire. Mais la vérité éclatera. Je m'en assurerai. Mais Typhon... Si les gens de Typhon s'en prennent à toi, il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi, d'accord? Voilà. Merci. Je me sens un peu mieux. Et ouais, on finit par en apprendre des choses quand on passe sa vie chez le psy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ne quitte pas, Evan.
Je vais découvrir la vérité. Tu m'étonnes qu'on va découvrir la vérité. Salut. Ouais, c'est moi. Je peux te parler? T'es où, là? D'accord. Ok. Donc c'est pour ça qu'il voulait partir d'Even. Pour échapper à Typhon, tout simplement. C'est Ryan, je pense. Ouais, ouais. T'avais raison. À propos de Typhon et de Mac. Alex. Mac a bien reçu l'appel. Comment tu le sais? Il a reçu l'appel et il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine, et il est trop... Ça ne change rien. Oh. Je continue de revenir ici. Et de rejouer la scène. Mais... ça finit toujours de la même façon. Ryan... il est mort. Il est vraiment mort, Alex. Bon, essayer de le calmer. C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Ethan. Tu as sauvé Ethan. T'as sauvé Ethan? S'il est en vie là maintenant, c'est grâce à toi. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. Tu es plus courageux que moi. On ne sert pas à rien, toi et moi. Comment t'aurais pu le savoir? On ne sert pas à rien, toi et moi. Je sais ce que ça fait de penser qu'on sert à rien et d'être désespéré. Mais j'ai sauvé Ethan. Et tu m'as sauvé, moi. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Gabe te pardonnerait, je te pardonne, pardonne-toi. Gabe te pardonnerait. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. T'es pas tout seul.
pauvre. Attends une minute. Il y a un mec dans un costume de gorille. Et il saute de la falaise dans la piscine aussi. Non, non. Il poursuit un mec en costume de banane. Lui, il saute de la falaise dans la piscine. Et donc, attends, pardon, c'était un resto mexicain? En théorie, oui. La nourriture est... immangeable. Mais c'est le resto préféré de Gabe. C'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac. Qu'il avait bien reçu un appel. Comment tu l'as su? Il faut que... je te dise quelque chose. Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer. Tu vas trouver ça un peu bizarre au début. Et ensuite très bizarre. Tu me fais confiance ? Pense à quelque chose de triste, pense à quelque chose d'effrayant, pense à quelque chose de rageant. D'effrayant, tiens. Ok. Pense à quelque chose qui te fait vraiment flipper à mort. Concentre-toi bien. Et ressens-le. Savoir comment les gérer sans Gabe. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi doué pour s'attirer des ennuis et s'en sortir. Ah, même qu'une fois. Ah, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? La joie? Peu importe ce à quoi tu penses, là, maintenant. Continue, d'accord? Vas-y. D'accord. C'est quoi comme émotion, ça? Bah, la joie, je pense. Ce souvenir semble sympa. Et si j'essayais de le reconstituer? Oula, ça en fait du sang. Hein. Gabe, c'est du sérieux. Tuer une bernache du Canada constitue une violation de la législation internationale. Arrête! C'est pas vrai. Ce sont des bernaches du Canada, Gabe. Elles appartiennent à la couronne. La couronne de... Elles appartiennent à la couronne, Gabe. Qu'est-ce qu'on en fait? Gabe?
Gabe. Il y a une bernache. Je l'ai vue. Elle bougera. Elle ne bouge pas. Elle bougera. Gabe! C'est profond, à ton avis? Oui, plus que ça. La gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de bernache à 100 pas. La gendarmerie? Non mais t'es sérieux? Pardon. Pardon. Tu comptais me laisser creuser encore longtemps? J'allais pas t'arrêter. Alors... Vous avez fini de l'enterrer, cette bernache, ou pas? Et puis, elles appartiennent à la couronne? Sérieux? Bah, techniquement, elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs. Mais... comment? Je suis un genre de super-héros. En fait, j'ai un pouvoir. Je peux voir les émotions des autres. Elles prennent la forme d'une aura et si je m'en approche trop, je ressens leurs émotions. Comme si c'était les miennes. Et quand je me concentre, j'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions. Et c'est ce que tu viens de faire avec moi? Ouh. Un genre de pouvoir? Sans déconner. Jusque-là, ça avait toujours été... des émotions négatives. Mais ça, c'était de la joie à l'état pur. Qui d'autre est au courant? Gabe le savait. Mais maintenant, a priori, t'es le seul. C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Typhon. Il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré. Maintenant, ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues. D'accord, mais... pourquoi? Je sais pas encore. Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage. Je pense que découvrir de qui il s'agit, ce serait un bon début. Donc... tu vas t'attaquer à Typhon. Il te faut de l'aide. T'es pas obligé. Tu te débarrasseras pas de moi. Bon, le serrer dans vos bras. De rien, je suppose. Ouais. Merci. Merci. Non. Merci à toi. Cool, on a de l'aide maintenant. C'est pour toi, Gabe. Tu me manques.
J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous. Je pourrais jamais connaître ça. Mais même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. Qu'une qui est pas heureuse. Hein. Une seule. Alors, on a les stats. Alex a apaisé Mac pendant sa crise d'angoisse. Bon, on l'a tous fait. Eleanor a oublié la mort de Gabe. Ah, il y en a 66% qui lui ont rappelé. Ils sont horribles, les gens. Charlotte a signé l'accord. 38%. Charlotte n'a pas accepté l'argent de Typhon. Ouais, voilà. Charlotte a signé l'accord après qu'Alex ne lui ait pas rendu visite. Ensuite, Alex a profité d'un moment de calme sur le dock. Bon, on l'a à peu près tous fait. Alex a rangé l'appartement. Bah, moi aussi j'ai rangé l'appartement. J'ai oublié des trucs. Oh. Alex a placé l'album sur la table de souvenirs de Gabe. Alex a posé la photo sur la table du souvenir de Gabe. Alex n'a rien ajouté. Alex a laissé le visage souriant sur la cible de fléchette. Alex a dessiné un visage triste, donc on a 31%. Ok. Alex a choisi de s'appeler Alexandra pour le gène. Nous, on est à 52% pour Halloween. Alex a passé un moment à penser à Gabe. On l'a tous fait. Enfin, pratiquement. Alex a soutenu les propos de Ryan à la veillée. 60%. Alex a offert le pardon de Gabe à Ryan. 66%. Ryan et Alex se sont enlacés au bord du ravin. Ouais, pratiquement tout le monde. Alex a décroché le titre de championne de babyfoot. Ah, on est dans la minorité, hein. Steph a fait de Storm Rider le boss du GN. Bon, bah on est dans la majorité aussi. Alex n'a pas aidé l'ornithologue amatrice. Ah, parce que je devais l'aider ? Bon. Ah oui, parce que j'ai pas vu l'oiseau, moi. Mais bon.
Alex n'a pas aidé le mec triste. Bon, j'ai pas vu que je pouvais l'aider. Enfin bon, on est quand même dans la moyenne en général. Alex a apaisé Mac pendant sa crise d'angoisse, on s'en l'a vu. Ok, et ben prochain chapitre, c'est parti. Monstre ou mortel ? Chapitre 3. T'as un super pouvoir ? Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein ? On ne se fout pas de toi. Est-ce que Ryan et moi, on a l'air du genre à se foutre de ta gueule ? Tout est vrai. D'accord ? Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es incrédule. Tu es un peu contrarié, en fait. Ça te blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas. T'aimes pas être exclu. Bon. Ok. Oh putain, la partie de baby-foot, tu savais exactement ce qu'il fallait faire? Tu en avais besoin? Ouais, désolée, tu en avais besoin. T'avais besoin de te concentrer sur les souvenirs positifs plutôt que de te noyer dans ton chagrin. J'ai pensé que ça t'aiderait. Ça m'a aidé. Mais préviens-moi la prochaine fois, d'accord ? Ok. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui ? Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à... à la mort de Gabe, si elle couve Typhon, je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan, au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. Bon, eh bien nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. On attaquera le prochain chapitre la prochaine fois. En tout cas, ça devient de plus en plus intéressant et surtout, on commence à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles histoires.